Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un petit déballage de, de la marque ESR, une marque que vous connaissez sans doute, que vous avez dû voir sur Amazon, euh, qui ne coûte pas très cher. Alors je l'avais testé en plus sur cette chaîne, j'avais euh, acheté un, un petit galet de, de recharge chi il y a quelques temps pour une vidéo euh, comparative de plusieurs chargeurs chi pour voir justement si à 10 euros ça en gros on avait les mêmes performances qu'un chargeur qui coûtait 5 fois plus cher. Du coup je vous propose de tester ce chargeur alors qu'il est en fait un chargeur type MaxF mais qui euh, est simplement un chargeur chi aimanté, donc on ne va pas avoir 15 watts maximum de charge, on aura ici que 7,5 watts pour un iPhone. Euh, et par contre, donc, donc c'est avec son support et j'en testerai un autre qui est un, comme le Maxf, un simple galet. Côté déballage, maintenant on passe très vite puisqu'on a simplement le support et un câble USB-C vers USB-C. Donc on branche juste ici. Euh, et sachez que le chargeur, donc l'adaptateur secteur, n'est pas fourni avec ce produit. Le gros avantage de ce support, c'est qu'on va pouvoir l'incliner comme on veut. Regardez, alors. Comme il n'est pas super bien lesté, forcément il y a des, il y a des, il y a des fois où ça ne va pas passer, où ça va tomber. Mais globalement, vous allez avoir quasiment tout, tous les angles euh, d'un angle complètement à 90 degrés comme ceci, ou même à 180 degrés. Euh, on va pouvoir le mettre tout droit. Et ça, c'est bien par rapport au chargeur Quetec que j'avais testé qui n'avait qu'un angle euh, d'inclinaison de 30 degrés. Alors ici, on n'est pas sur un achat coup de cœur, c'est pas le design qui fait sa force, c'est vraiment son côté pratique. Moi, j'aurais bien aimé un produit qui allie euh, et le côté pratique et le design. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ça pour le moment. Côté aimant ça se passe plutôt bien, regardez, ça accroche bien, et malheureusement on n'a pas la petite animation euh, du MaxF lorsqu'on branche le téléphone. Je vous le disais, le produit n'a pas été testé, mais regardez, on peut le retirer sans aucun souci. Donc là je l'ai testé sans coque, néanmoins ESR propose également des coques compatibles MaxF, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici c'est une coque pour iPhone 12. Euh, franchement, elle est plutôt réussie, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est pas très cher, euh, c'est en silicone, à l'intérieur c'est doux, donc c'est du microfibre, il n'y a aucun souci. Et on va donc tester ce que ça donne. Donc je vais mettre l'iPhone dans euh, la coque. Alors je vous avais parlé de solutions de substitution euh, des, des autocollants qui se mettaient sur une coque. Si vous n'aviez pas envie de changer, ça peut être une solution. Mais regardez, donc là euh, bah, ça adhère correctement. Et on va faire le test. Donc, ouais, si je le retourne également, vous voyez donc ça agrippe bien. Et on va faire le test avec une coque simple. Alors regardez, ça charge, ça s'accroche un petit peu, mais ça a tendance à tomber. Donc je ne vous conseille vraiment pas cette coque si vous utilisez le support. A propos du temps de charge, maintenant il m'a fallu 30 minutes pour charger à 25%, comme la plupart des chargeurs Chi de ce type-là. Par contre, il m'a fallu presque 3 heures pour charger complètement un iPhone 12 Pro contre 2h30 pour un MaxF. Donc c'est un petit peu plus lent, surtout vers la fin. Allez, on va vérifier ce que ça donne côté puissance. Donc là, je suis à 8 watts maximum, donc 7,5 watts avec mes quelques watts de, de perte. En gros, je suis comme pour tous les autres chargeurs que j'ai pu tester, les Quetec, les Satchi, etc. 8 watts. Donc c'est plutôt correct. Ça charge normalement. Et puis pour avoir un point de comparaison, donc ici je suis avec le Maxf original et regardez, je suis à 9 watts, c'est ce que je vous disais. Même si c'est supposé charger jusqu'à 15 watts, moi j'ai jamais eu ça dans mes tests. Donc en gros, on a quasiment la même puissance de charge avec ce type de chargeur. Ça c'était pour le chargeur à 25 euros et un petit peu moins cher, donc à une vingtaine d'euros, on a un chargeur tout simple. Euh, c'est le même principe, un hein, 7,5 watts de puissance qu'on va pouvoir incliner puisqu'il y a un petit support en plastique juste ici. Euh, ça c'est pas mal pensé. C'est vrai que c'est assez pratique ce, ce truc-là. On va donc mettre le téléphone tranquillement euh, et puis donc voilà alors il tient super bien euh, vraiment l'aimant est assez efficace sur celui-ci plus qu'avec euh, le maxf je trouve et puis comme pour le produit précédent hein, il est livré avec son câble usb c néanmoins toujours pas d'adaptateur secteur avec ce produit donc on est vraiment comme chez apple et puis pour ceux qui se posent la question regardez lorsque je pose mon téléphone sur le chargeur, donc voilà, euh, je n'ai pas la fameuse animation MaxF. Alors, quel produit choisir Celui à 20 euros, celui à 25 euros Celui à 20 euros est quand même mieux aimanté que euh, la version euh, support à 25 euros, mais je pense que c'est voulu puisque, euh, comme il n'est pas vraiment lesté celui à 25 euros, si euh, l'aimant avait été trop fort, euh, je pense que le téléphone partirait à chaque fois avec le support. Alors, j'ai quand même une grosse préférence pour le support réglable, même s'il a des inconvénients, même si son design euh, pourrait être un petit peu mieux, même s'il n'est pas forcément l'ester même si le câble USB-C bah, je trouve qu'il pourrait être à une autre place euh, bah, je l'aime bien ce petit support on peut le mettre dans tous les sens le téléphone on peut le retourner facilement on va pouvoir l'utiliser en mode horizontal Franchement, à 25 euros, c'est quand même pas mal. Je regrette quand même que l'adaptateur secteur ne soit pas fourni. Si les produits vous intéressent, je vous mets les liens dans la description. Et puis sachez que j'ai toujours pas de problème avec mon chargeur Chi ESR que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc c'est peut-être un gage de bonne qualité finalement, malgré un prix plutôt agressif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt.